Ça peut venir d'un mari, d'une femme. Ça peut venir même du travail. Ça peut venir même des collaborateurs. Mais il y a une bonne nouvelle qui vient du ciel. Parce que le ciel, c'est là où est Dieu. Et Dieu t'a créé afin que tu sois restauré avec lui. Dieu t'a créé afin que tu sois réconcilié avec lui. Dieu n'est pas seulement au ciel, mais il a envoyé son Fils unique qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ afin que toute l'humanité soit sauvée en croyant en lui. Écoute, je ne te parle pas d'une religion. La religion ne sauve personne. Je ne te parle pas d'une église, mais je te parle du Seigneur Jésus. Crois-tu au Seigneur Jésus? Crois-tu à la Bible? Même si tu lis tous les bouquins, même si tu écoutes tous les philosophes, personne ne te donnera le salut de ton âme. Personne ne te donnera la paix de ton âme. Même la cigarette n'arrive pas. Même l'alcool n'arrive pas. Même la femme n'arrive pas. Même le salaire n'arrive pas. Ton âme a besoin du Créateur qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si tu l'acceptes, si tu crois en lui, il va restaurer ta vie parce qu'il t'aime, parce qu'il a de la valeur à ses yeux. Écoute, nous tous, on était incrédules. Nous tous, on était bandits. Nous tous, on aimait les femmes. Mais lorsqu'on a lu la Bible, on a compris que nous n'étions pas faits pour vilipender ces grâces, pour vilipender toute cette valeur que Dieu nous a donnée. Combien de fois vas-tu résister à la voix de Dieu? Combien de fois vas-tu mépriser la voix de Dieu? Aujourd'hui, peut-être que c'est ton dernier jour. Écoute, il y a des autres qui sont bombardés partout dans le monde entier. Tu me diras, c'est la faute de Dieu? Je te dis non. Dieu n'envoie personne pour tuer en son nom. Dieu envoie les gens pour sauver les âmes par la parole et par l'évangile et par la paix. Voilà le véritable évangile. Je ne te parle pas de la politique parce que la politique ne peut rien pour les hommes. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras restauré, toi et ton Créateur. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Très bonne rentrée à vous tous et que Dieu vous bénisse. Amen.